mais on va se servir de cet engin volant. Amène les chevaux et en avant! Ce bâton doit servir à faire voler la machine. Tu ferais mieux de regarder comment je fais. Tu seras peut-être obligé de t'en servir tout à l'heure. L'humain et l'humoc sont de notre côté. C'est peut-être Tyrone qui les a envoyés ici. Sûrement. On a eu tort de rester cachés. S'ils reviennent, on les accueillera en amis et en alliés. Ouvre les yeux, il faut trouver la forteresse de Gemini. Par la furie du volcan. Tu te sens capable de manœuvrer cet engin? Tu restes ici jusqu'à mon signal et souhaite-moi bonne chance. Selena est sûrement derrière cette porte. Je le sens. Je t'ai déjà laissé une fois ta chance, sorcier. Cette fois, je serai sans pitié. À nous deux, Gemini. Pas un pas de plus, barbare. C'est moi qui détiens la perle. Tes pouvoirs ne peuvent rien contre moi. Exact. Mais ils peuvent faire beaucoup de mal à Selena. Enfin, je commençais à m'impatienter. Rends-moi la perle. Et tout de suite, ta compagne ne quittera jamais cette cage. Voilà qui nous donne une idée. Je ne vois pas pourquoi je serais seule à être enfermée. À ton tour de rire, sorcier! Non! Bienvenue à mon palais, Arok. Eh bien, je vois que la captivité ne t'a pas fait perdre ton sens de l'humour. Tu sais où se trouve la sortie? Par la fenêtre! Oukla! Fais descendre l'oiseau de fer! Oukla, dépêche-toi! C'est Oukla qui est aux commandes? Voilà qui ne présage rien de bon. J'espère que tu as prévu une autre sortie de secours. On va s'enfuir par là! Comment? On va sauter dans le vide? Merci pour cet excellent voyage. Mais non, voyons, c'est naturel. On retourne à Manhattan. En avant! Moi aussi, je vais retourner à Manhattan pour récupérer la perle noire et sceller à jamais le destin d'Arok. Ah, je vous avais bien dit qu'il reviendrait. Mais dites-moi, vous avez l'air en forme, Tyrone?